Salam ou marhaba mujtaliki sabouranet, je vais vous donner un exemple de devoir de contrôle numéro 5 en maths pour les deuxièmes années sciences. Donc, je vais vous donner deux exemples. On va commencer par l'exemple l'ouleni. Alors, l'exemple maintenant, il y a trois exercices. Un exercice l'ouleni, c'est de choisir la bonne réponse ou la cocher la réponse correcte. Exercice 2 sur les fonctions et un exercice 3 sur la géométrie analytique. Donc, l'exercice l'ouleni, cocher la réponse correcte. La suite U définie sur N par UN égale à 2 fois moins 3 à la puissance N et B. Atteigne la proposition l'ouleni géométrique, arithmétique ou bien géométrique. Donc, on m'a dit que atteigne la raison ou atteigne le premier terme. Donc, ahna, ahna, suite interne, il y a UN égale à 2 fois moins 3 à la puissance N. Est-ce que la suite MTI est géométrique ou elle est arithmétique? Donc, en tout, normalement, deux fois moins 3 à la puissance n. Si j'ai direct, c'est une suite géométrique ou il retarde ma bine à domazouz, or de ben. Donc, je n'ai pas un plus 1. Donc, un plus 1 égale à 2 fois moins 3 à la puissance n plus 1. Ben, elle est qui normal? UN plus 1 moins UN égale. Donc 2 fois moins 3 à la puissance N plus 1 moins 2 fois moins 3 à la puissance N. Donc, moins 3 à la puissance N en facteur. Donc 2 fois moins 3 à la puissance N fois moins 3 à la puissance 1 moins 1. Donc, égal, moins 4 fois 8 fois 2, donc moins 8 fois moins 3 à la puissance n. La suite n'est pas arithmétique. Quoi? Donc, n est l'hénée. Alors, rythme sur ma bine géométrique de raison. Q égale à 2 ou le Q égale à moins 3. Voilà, nous le raison Q égale à moins 3. Premier terme, donc U0 égale à 2. La réponse juste, c'est la réponse C. Il y a dès le départ, voilà, la suite interne géométrique. Et là, je vais tout comme redoubène. À la chatte, le hénée mouche tout, le hénée géométrique, il y a n'est pas arithmétique. Je vais nous lier géométrique. Donc, un équinable UN plus 1 sur UN égale à moins 3 N plus 1, 2, bien sûr, sur 2 fois moins 3 à la puissance N. Donc, là, on est 2 ou 2, je te dis, je te dis, moins 3 à la puissance 1, il y a moins 3 qui est égal à Q. Voilà. Donc, la suite est une suite géométrique. Je me donne l'année à donner la justification. Donc, ici, géométrique de raison Q égale à moins 3 et deux premiers termes U0 égale à 2. Voilà. Donc, la réponse juste, c'est la réponse C. Alors, question 2, soit f une fonction croissante sur 0, 1. Alors, il y a croissante sur 0, 1. Donc, f de sinus pi sur 6, asgar mel f de sinus pi sur 3, asgar mel f de sinus pi sur 4. F de sinus 5 pi sur 6, asgar mel f de sinus 3 pi sur 4, asgar mel f de sinus pi sur 3. F de sinus pi sur 6, asgar mel f de sinus pi sur 3, asgar mel f de sinus 3 pi sur 4. Mais, on a la fonction donnée, une f est croissante sur l'intervalle 0,1. Je m'en maintenant, il y a deux valeurs dans 0,1. Par exemple, A et B appartiennent à 0,1. Tel que B est supérieur à A, alors f de B est supérieur à f de A. Et la définition d'une fonction croissante. Et là, je vais vous donner une chose. Atteigne pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4. 5 pi sur 6, 3 pi sur 4, pi sur 3, pi sur 6, pi sur 3 et 3 pi sur 4. انا لهنا شنو باش نجي نشوف باش نجي نشوف اني هو لهنا ال A وال B معناتها باش نقارن بيناتهم ونشوف ال F دو A ونقارنها بال F دو B دونك انا لهنا باش نجي نشوف سينوس لي زونغ لي عطيهم لي الوغ سينوس بي سور 6 ايغال سينوس بي سور 3 ايغال سينوس بي سور 4 سينوس 5 بي سور 6 نبدو حافظينهم نورمالمون مي اون كاو مانيش حافظينهم نعرفو كيفاش نطلعوهم بالكالكولاتريس دونك سينوس 3π sur 4,
Et voilà, donc dans le collège, il est qu'un citoyen, bien sûr, en condition de devoir, tu as donné, donc, la calculatrice, donc, la calculatrice, c'est en degrés, alors, pi sur 6, à la 7, donc, il y a 30, donc, sinus 30, 0,5, voilà, 1 demi, donc, il était 0,5, sinus pi sur 3, donc, mi 60, donc, sinus 60. Alors, racine de 3 sur 2 en principe. Sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Sinus 5 pi sur 6. Je monte à 5 pi sur 2, je monte à 5. Je mets le degré. À la 7, donc, sinus 1 demi. Et sinus 3 pi sur 4, donc 3. Je mets le degré. À la 4, donc, sinus 135, 0,7. Donc 0,7, normalement, il y a racine de 2, donc sur 2. Voilà. Donc, je parle pi sur 6, pi sur 3, sinus, bien sûr. Donc, on a sinus pi sur 4, racine de 2 sur 2. On a sinus pi sur 3, racine de 3 sur 2. Ou un sinus pi sur 6 et 1/2. Donc, un est plus grand l'année. Il y a 0,7 à peu près. Il y a 0,8. Donc, racine de 3 sur 2. Nous avons fait domaine. Bien sûr, avec la calculatrice, on trouve 0,8. Ou un demi, 0,5. Donc, 0,5, 0,8, 0,7. Normalement, sinus pi sur 3 est plus grand. On va dire que sinus pi sur 4. On va dire que sinus pi sur 6. C'est comme ça. Bien sûr, la proposition l'année. Donc, on a sinus pi sur 3 est plus grand. Sinus pi sur 4. أكبر من سينوس بي سور 6 بما أن الفونكسيون بتاعنا إلي كروسانت يلزم تكون اف دو سينوس بي سور 3 أكبر من اف دو سينوس بي سور 4 أكبر من اف دو سينوس بي سور 6 أور هو لهنا مش عاطيني معناتها الترتيب هذاك دونك البروبوزيسيون الأولانية غالطة بروبوزيسيون بي دونك عاطيني سينوس 5 بي سور 6 ألوغ 5 بي سور 6 اللي هي 1 دومي وعاطيني سينوس 3 بي سور 4 وعاطيني سينوس بي سور 3 فوالا دونك احنا لهنا شنو عندنا عندنا لهنا 0,5 راسين دو 3 سور 2 راسين دو 2 سور 2 معناتها سينوس بي سور 3 اكبر من سينوس 5 بي سور 6 اكبر الوغ سينوس بي سور 3 اكبر من سينوس 3 بي سور 4 اكبر من سينوس 5 بي سور 6 هكا ولا دونك سينوس ب دونك لازم تكون اف دو سينوس هذي اكبر من اف دو سينوس هذي اكبر من اف دو سينوس هذي هو شنو عاطيني في البروبوزيسيون عاطيني انه اكبر وحده دونك اف دو سينوس بي سور 3 فوالا اكبر من اف دو سينوس 3 بي سور 4 فوالا اكبر من سينوس 5 بي سور 6 بما ان الفونكسيون تاعنا على كروسون يبدو ماشي في نفس الاوردر دونك البروبوزيسيون الصحيحه هي لا بروبوزيسيون بي فوالا بالنسبه للسي دونك نجمو نكملو نبينو اللي هي غالطه الوغ عاطيني سينوس بي سور 6 donc sinus pi sur 6 il y a 1/2 sinus pi sur 3 il y a racine de 3 sur 2 sinus 3 pi sur 4 il y a racine de 2 sur 2 لهنا عندنا sinus pi sur 3 اكبر من sinus 3 pi sur 4 يلزم تكون f de sinus pi sur 3 اكبر من f de sinus 3 pi sur 4 donc la proposition لهنا est faux تعدى la question 3 si cosinus carré de x égale à 3 sur 4 et tangente de x est négatif alors x y est pi sur 6 x 2 pi sur 3 ou la x 5 pi sur 6 ben شنو عطيني لهنا كوسينوس كاري دو اكس ايكال 3 كار و تانجونت دو اكس نيجاتيف دونك لهنا بحب يطلع الاكس الوغ كوسينوس كاري دو اكس ايكال 3 كار معناتها كوسينوس اكس ايكال بلوز او موان راسين دو 3 سور 2 تانجونت دو اكس نيجاتيف بما انه تانجونت اكس نيجاتيف يلزم يكون الكوسينوس والسينوس دو سيني كونتخيغ معناتها كان الكوسينوس بوزيتيف السينوس باش يكون نيجاتيف كان السينوس نيجاتيف الكوسينوس باش يكون بوزيتيف باش يكون تانجونت نيجاتيف لهنا على خاطر اذا كان يكون زوز دو ميم سين التانجونت باش يكون بوزيتيف بما انه تانجونت اكس ايجال سينوس اكس سور كوسينوس اكس نيجاتيف الوغ لهنا السينوس والكوسينوس يلزم يكونوا دو سين كونتخيغ انا كي نبدا باللونج الاولانيه اللي هي بي سور 6 دونك بي سور 6 بون نجمو حتى بسيركل تريغونومتريك راهو لهنا طلعوه دونك عندنا سيركل تريغونومتريك الوغ سا سي زيرو سا سي بي بيان سور هذا لاكس دي كوسينوس وهذا لاكس دي سينوس دونك البي سور 6
Alors, pi sur 6, c'est 30. 30, bien sûr, je trouve que là, le cosinus est positif ou sinus est positif. Donc, je trouve que 2 pi sur 3, maintenant, 2 pi sur 3, donc, il fait le mieux aussi, sur 3. Il y a mieux en chérie. Donc, mieux en chérie, en principe, tout le monde est. Alors, le cosinus est négatif ou sinus est positif. Donc, x tout le monde est 2 pi sur 3. Ou 5 pi sur 6, donc, en j'arrive à 5 fait le mieux aussi sur 6. Il y a mieux en chérie. Donc, mieux en chérie, c'est une chérie. Donc, mieux 50, kif kif menene. Alors, le cosinus négatif ou sinus positif. Prit n ma bin le b ou c. Il fait ma haja l'année, et nous, le b, il est 2 fil mieux 80 à la tlèta, donc mieux 20. Le cosinus mieux 20, ou moins 0,5, mouche la valeur, elle est atti, mouche racine de 3 sur 2. Donc, l'année, la réponse juste, il y a la réponse c. C'est vrai. Et nous, la réponse B, le cosinus négatif ou le sinus positif, c'est vrai. Et nous, la réponse B est tangente négative, mais la valeur de cosinus de 2 pi sur 3, mais je vais le relire à redoubler. Donc, la réponse juste, c'est la réponse C. Mais. Alors, il y a la question 4. L'ensemble des solutions de l'équation tangente carrée de x moins racine 3 plus 1 tangente x plus racine 3 égale à 0 dans l'intervalle pi sur 2 pi et 3 pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 6 ou l'ensemble vide. Donc, tu as une résolution interne. Alors, tangente carrée de x, racine de 3 plus 1 tangente x plus racine de 3 égale à 0, l'ensemble fait pi sur 2 pi. Alors là, nous faisons l'intervalle AD. On va déterminer delta. Donc, égal. Et les champs statini. Alors, statini 3 plus 2 racine de 3 plus 1 moins 4 racine de 3 égale. Rendi 4 moins 2 racine de 3. Est-ce que delta l'aîné est positif ou bien négatif? Alors, delta, c'est comme positif. Donc, là, on a 4 moins 2 fois racine de 3. Voilà, delta positif. Donc, nous, delta positif, on a deux solutions. Donc, là, on dit 4 moins 2 racine de 3. Là, je vais écrire, il y a 2 au carré moins 2. Alors, je vais vous dire, donc, il y a a plus b au carré. Donc, ou bien, on va faire un petit sambalin, on a une condition de devoir, on va faire un petit sambalin, on va faire un petit sambalin, les solutions. Alors, on a tangente x1 égale moins b, c'est-à-dire racine de 3 plus 1, donc l'année moins b, moins racine de delta sur 2. Et tangente x2, sur 2. Voilà, on a les deux valeurs. Alors, on a là où je bien sûr à x. Donc, on a les tangentes. Donc, racine de 3 plus 1 sur 2, moins racine de 4, moins 2 racine de 3 sur 2. Et on a une tangente à z. Donc, on a les deux tangentes. On a l'intervalle pi sur 2 pi. Qu'est-ce que la tangente fait partie de ce que la tangente négative. Ok, on a un trigonométrique. On a un. Alors, ça, c'est pi sur 2, et ça, c'est pi. Puis, partie des tangentes négatives. Alors, le cosinus et sinus ont un signe contraire. Donc, puis, maintenant, une tangente négative. Et c'est l'inéco l'année où tangente est négatif. Bien sûr, avec la calculatrice, l'année, je n'ai pas une signe interne. Donc, on a l'année, la partie des racines de 3 plus 1. Donc, l'année, on a moins racine de 4 moins 2 racine de 3. B. L'année est racine de 3 plus 1. Voilà. Il y a 2,73. B. Ou elle est racine de delta, c'est-à-dire donc 4 moins 2 racine de 3. Pardon. Donc, l'année 2 racine. Alors, on a donc 4 moins 2 fois racine de 3. À la puissance 0,5, c'est-à-dire racine, j'ai 0,7. Bien sûr, l'année positif ou l'année positif. Donc, valeur est juste positif. Ou on a les une tangente négative, donc l'année, ma solution. Donc, l'année, la solution vraie est C.
هذه parmi les méthodes اللي تبينوا بها que la solution c'est x. هكا نقولوا كملنا ليكزارسيس الاولاني اون با كوريجي ليكزارسيس دو. ما تستهلوش بيه ليكزارسيس الاول مش كوشي لا بون ريبونس معناها نحطوا نتعدل لا افيك جوستيفيكاسيون لهنا ينجم يطلبها منكم وحتى كان ما طلبش منكم انتم ما تنجموش تطلعوا لا ريبونس جوست من غير جوستيفيكاسيون حتى في البرويون. الوغ ليكزارسيس دو considérons la fonction f définie sur R et CF, sa courbe représentative. Donc, et examiner la parité de f. Maintenant, la fonction t est-ce que paire ou elle est impaire? Achetons la fonction paire. Ils ont une symétrie par rapport à l'axe interne y y prime. Fonction impaire. Ils ont une symétrie par rapport à le point O. Donc, l'axe a une symétrie par rapport au point O. Donc, la fonction est une fonction impaire. Alors, l'origine est un centre de symétrie, donc de CF, alors là, la fonction terne est impaire. Une symétrie par rapport à O. Dresser le tableau de variation de F. Donc, bon, croissante ou bien décroissante. La fonction terne, elle est définie sur tout R, donc là, donc, le tableau de variation de notre fonction. Voilà. Nous, d'après la courbe, fonction, elle est croissante, décroissante, croissante. Donc, tous, le point est le moins 1, ou le point A. Okay? Donc, bien sûr, notre fonction, elle est définie sur tout R. Donc, le moins l'infini, le plus l'infini, ça, c'est X. Donc, le moins 1, le 1. Elle est croissante, décroissante, ou tâche, elle est croissante. Donc, بالنسبة للموال الانفيني جايتنا من الموال الانفيني لهنا عندي f دو موانز 1 دونك لهنا اللي هو هونو 2 نقرا ديريكت على الكورب f دو 1 موان 2 والبلس الانفيني هوني طالع على البلس الانفيني فوالا سا سي لو تابلو دو فارياسيون تعدى الكيستيون اللي بعدها دونك دريسي لو تابلو دو فارياسيون دو جي لا ريستريكسيون de f à l'intervalle moins 2, 2. Fin ou l'intervalle moins 2, 2. Donc, au haja, je note l'intervalle interne, donc moins 2, 2. Wahed. On va dresser le tableau de variation de la restriction à la nef, l'intervalle moins 2, 2. Tout simplement, note l'intervalle interne, donc il est le moins 2. Ça c'est x et ça c'est g de x. Et qui fait que je suis fonction terne? Mais le moins 2, à le moins 1, elle est croissante. Mais le moins 1, donc l'année à le 1 décroissante. On va dire que bien sûr, t'as jamais le 1 à le 2 croissante. Le moins 2, bien sûr, 0, f de moins 2. F de 2, kiff kiff 0. F de moins 1, donc elle est 2. Ou f de 1, moins 2. Voilà. Donc ça c'est la restriction de f, l'intervalle moins 2. 2, ok. B. Question, les bâtons. Donner un maximum atteint par G, puis en déduire deux majorants de G. Donc, l'année, voilà le maximum, le tableau de variation, on peut déduire un maximum, ou juste à l'année, un maximum atteint par G. Voilà, un G de moins 1 égale à 2, l'année, le maximum interne, ok. Alors, donc, on a G de moins 1 égale à 2. Et pour, bien sûr, x, dans l'intervalle moins 2, 2, on dit G de x inférieur ou égal à 2. Alors, G de moins 1 égale à 2 est la valeur maximale de G sur moins 2, 2. Sur l'intervalle moins 2, 2. Donc, les majorants donc, sont deux majorants. Je cherche deux majorants, par exemple. Je cherche donc un majorant. Je cherche un peu de 2, donc par exemple 2 et 3. Donc, ou bien 2, 3 et 4. Ok. Donc, 2 et 3 sont deux majorants. Voilà.
Donc, les questions les bas, donner un minimum atteint par G, puis en déduire 2000 euros de G. G est-il borné? Alors, un valeur, le minimum, l'année. Donc, on a nous, G de 1 égale à moins 2 et minimum, donc l'année de G. Bien sûr, G de X entre moins 2 et 2, ok? Alors, G de X supérieur ou égal à moins 2. On a G de 1 égale à moins 2 et la valeur minimale. Quand on a 2000 euros, il est mis qu'on a moins 2, moins 2 et moins 4. Maintenant. Est-ce que la fonction terme est bornée? Voilà, notre fonction, elle est bornée. Donc, g de x entre moins 2 et 2. Donc, g est bornée. Voilà. Question les bada, résoudre graphiquement l'équation f de x égale à 0. F de x égale à 0. Donc, là, on a le graphique interne, on joue l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. On a le point Lolénien, le point Thénien, le point Theta. Donc, moins 2, 0 et 2. Voilà. Donc, f de x égale à 0, s dans R. Voilà. Ok, on commence l'exercice 2. On va corriger l'exercice 3, le géométrie analytique. Dans un plan menu d'un repère autonormé ou IJ, on donne les points A de coordonnées moins 2, 1, B, 4, 4, C, 1, 5, K, 2 sinus alpha, 7, moins 4 sinus alpha. Bien sûr, alpha dans 0 pi. Vérifiez que les points A, B et C ne sont pas alignés. Donc, les mêmes choses, je trouve les coordonnées du vecteur. Je trouve N, par exemple, deux vecteurs. Donc, alors, on a les points A, B et C. Je trouve le vecteur AB ou AC. Donc, AB égale xb moins xa et yb moins ya. Xfini en aoud l'année. Donc, xb c'est 4 moins moins 2, 4 moins 1. Donc, égale l'année p'tatini 6, 3. Ou l'ac xc moins xa, yc moins ya. Égale. Donc, xc en l'a ou 5, c'est-à-dire l'année 1 moins moins 2. 5 moins 1. Donc, égal, on a 3 et 4. Donc, les deux vecteurs internes. Donc, les points ne sont pas alignés. Puis, qui est un déterminant, on a une roue différente de 0. Donc, déterminant de AB AC égal. Alors, on a 6, 3, 3 et 4. Donc, je suis atteint 6 fois 4, 24 moins 9. Donc, alors, on a 24 moins 9, on trouve 15. Ok, donc différent de 0. Alors, le déterminant différent de 0, les trois points A, B et C ne sont pas alignés. Voilà. Donc, question B. Calculer les distances AB, AC et BC et en déduire d'après El Kashi une mesure de ABC. Donc, je vais vous donner l'AB. On va vous la distance AB. Égale racine. Donc, alors, c'est le vecteur AB 6, 3. Donc, racine de 6 au carré plus 3 au carré. Donc, est égal racine de 45. 45, donc, je vais vous écrire. Alors, 9 fois 5, c'est-à-dire 3 racine de 5. Et il AB. Distance AC, donc égale racine de 3 au carré plus 4 au carré, donc est égale racine de 25, on trouve 5. Et la distance BC, bien sûr, on a le vecteur BC, moins 3 au carré plus 1 au carré, donc égale racine de 10. Donc, on a les trois distances. Alors, d'après il caché, donc je on a BC au carré égale AB au carré plus AC au carré, moins 2, AB fois AC, cosinus BAC. Voilà. Alors, le cosinus, l'angle, on va dire qu'on déduire l'angle BAC, quoi égal. Ok? Alors, voilà, donc,
D'alors, le cosinus de l'angle interne, donc cosinus BAC, je suis statine, donc Anna, voilà, donc l'année, je vais faire comme il cache. Donc Anna, elle est A, B et C. Donc ça, c'est le côté A, ça, c'est B et ça, c'est C. Donc il cache, je vais vous dire. Nous, par exemple, nous allons faire l'année, donc A au carré égale B au carré plus C au carré moins 2 BC cosinus l'angle en A. Okay. Juste là, il fait à l'angle ABC. Donc, on dit nous avons BAC. Donc, ABC, il fait à l'angle D. Il y est en B. Donc, madame, il fait à l'angle en B. Alors, l'année, je n'ai pas de B au carré égale A au carré plus C au carré moins 2AC cosinus l'angle en B. Voilà. Donc, on a l'année. B au carré, il y a AC. Voilà. Donc, on a l'angle BAC, mais nous, il fait à l'angle ABC. Voilà. Donc, l'année, je trouve l'angle ABC. Donc, B au carré, il y a AC au carré, égale A au carré, donc il y a BC au carré, plus AB au carré, moins 2 BC AB, BC fois AB, cosinus. L'angle, il y a où il y a donc ABC. Voilà. Rose Annie à l'ABC. Ahna hatina l'hne BAC. Nejmou l'hsebou mzouz. Donc l'hne, cosinus ABC, BC au carré, plus AB au carré, moins AC au carré, sur 2 BC fois AB. Donc, on a 10 ou 45, et la 25, on a 2 racines de 10 fois racine de 45. Donc, il y a une statine. Il y a une statine. Alors, là, on a 45 et la 25, donc 20. 10 moins 20. Donc, statine égale à 30 sur 2 fois, donc, 40, racine de 45, c'est-à-dire 3 racines de 5 fois 10, il y a racine de 5 fois racine de 2. On trouve cosinus ABC, donc l'angle interne, égale à 30 sur. Donc, l'année a dit 5 fois 3, il y a 15 fois 2, donc 30 fois racine de 2. Je peux simplifier par 30 et on trouve 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, c'est-à-dire, je me refais racine de 2, donc il y a racine de 2 sur 2. L'angle, il est cosinus interne, racine de 2 sur 2. Normalement, mais en cas où je suis hafdine, tu as des calculatrices, mais on l'angle tout simplement. Dans le cosinus moins 1, 1 sur racine de 2, on trouve 45. Donc l'angle interne, l'angle, il est ABC. Égal à pi sur 4. Voilà. Elle a 45 degrés. Ben, calculez alors le rayon du cercle circonscrit au triangle ABC. Donc, le rayon du cercle circonscrit, tout simplement, on a BC sur sinus BAC égale à 2z. Okay? Alors, donc, on a sinus BC, on a donc sinus A. Donc, on a le triangle interne. Alors, on a l'angle sinus ABC. Sinus ABC, donc, c'est-à-dire, on trouve donc sinus ABC, c'est-à-dire l'angle en B. Donc, du côté B, il y a AC. Donc, AC sur. Voilà. On a les données, les on a. Donc, AC, c'est sur sinus ABC. Égale 2R. Donc, ABC analyse est 45, sinus racine de 2 sur 2. Donc, l'année R égale AC, le côté AC, donc l'année 5 sur 2 fois racine de 2 sur 2. Voilà, donc je peux simplifier par 2, égale à 5 sur racine de 2. Et il y a le rayon interne. Voilà. La question les bat à déterminer une équation cartésienne de la droite delta passant par C et perpendiculaire à AB. Mais alors on va voir la droite et les là l'équation delta. Donc alors question 2, delta passant par C. Point il est important pour نطلعوا l'inconnu اللي ناقص et donc delta perpendiculaire à AB. Voilà. بما انه احنا نعرف ان delta perpendiculaire à AB. Donc هنا je me طلع un vecteur il y a donc delta perpendiculaire à AB, je peux déterminer le vecteur, par exemple, ça c'est delta et ça c'est AB. Donc, il y a le vecteur AB qui fait ce que je suis delta, c'est le vecteur normal à delta. Okay? Donc, AB
Donc, les coordonnées de AB narf, c'est-à-dire l'année AB. B fait delta. Donc, delta d'équation AX plus BY plus C égale à 0. Donc, la là, 6X plus 3Y plus C égale à 0. Le point C, question de la ratani donnée, l'année Gilirahu, alors, delta passant par C. On va faire comme une C de coordonnées à 5. C'est-à-dire, toujours x est égal à 1 ou y égal à 5, on détermine constante. Donc, c égale moins 6 fois 1 moins 3 fois 5. Donc, est égal à moins 6 moins 15 égale à moins 21. Voilà, donc, il y a le point interne. Finalement, delta d'équation 6x plus 3y moins 21 égale à 0. Voilà. Question les bades. Donc, elle est question 2a. Vérifiez que K appartient à delta pour tout alpha entre 0 et pi. Pour quelle valeur de alpha le point K appartient-il à AB? Voilà. Donc, on peut vérifier les nets tout simplement. On a un K de coordonnées 2 sin alpha, 7 moins 4 sin alpha. Il y a bien un point ici. Bonjour, d'après delta pour tout alpha entre 0 et pi. Puis, j'ai dit les coordonnées de K, l'équation d'une autre droite. Donc, je dois lire 6 fois 2 sinus alpha. Plus 3 fois 7 moins 4 sin alpha, moins 21. Ils ont mis une égale à 0. Donc, ça, c'est 12 sin alpha, plus 21, moins 12 sin alpha, moins 21. Bien sûr, voilà, nous avons égal à 0 pour tout alpha entre les 0 et pi. Donc, K, bon, je vais bien sûr sur delta. Alors, question les bagues. Pour quelle valeur de alpha le point K appartient-il à B? Donc, ahna. Alors, il y a bien la valeur de alpha pour que K joue dans l'AB. Alors, l'AB, l'AB, les coordonnées du vecteur AB, il y a 6, 3. Ça, c'est un vecteur qui fait une espèce AB. C'est un vecteur directeur à la droite AB. Donc, l'AB, parmi les méthodes, je vais faire l'équation du droite AB. Je joue pour quelle valeur de delta, bien sûr, le K est un mojou d'un AB. Alors, ou bien, on a les coordonnées du vecteur AB. Je gine un vecteur AK, dans les coordonnées MTO. Mais si tu coup, le K mojou d'un AB, maintenant, il y a le A ou le B ou le K sont alignés. Donc, AB et K sont alignés, le déterminant des deux vecteurs égal à 0 ou un d'un point commun. Donc, les trois points sont alignés. Alors, AK. L'AK est 2 sin alpha moins plus 2 moins moins 2 et 7 moins 4 sinus alpha moins 1, c'est-à-dire la nepstatine 6. Okay? Alors, déterminons ABAK égale 1 10 3, 2 sin alpha plus 2 et 6 moins 4 sin alpha égale, je suis attiré. Donc, 6 fois 6, 36, moins 6 fois 4, alors moins 24 sinus alpha, moins 3 fois 2, donc 6 sinus alpha, moins 6, égale, l'ellipse à 30, on va dire moins 30 sinus alpha. Ils me connaissent égal à 0 pour que les trois points soient alignés. Alors, l'année 30 égale à 30 sinus alpha, c'est-à-dire sin alpha égale à 1. Donc, sin alpha égale à 1, alors l'année alpha quoi égale. Alors, année le point, les sinus égale à 1, 0 pi, tout simplement alpha égale à pi sur 2. À partir de l'intervalle 0 pi, donc l'année alpha égale à pi sur 2, les sinus égale à 1. B. Question 3, donc donner une équation cartésienne de la droite AC. Alors, on a le vecteur AC de coordonnées 3 et 4. C'est un vecteur directeur à la droite AC. Donc, bim, il nous directeur. Alors, les nez, je n'en ai pas tous les points à nous. On a, je vais faire le résumé. Donc, le vecteur directeur, c'est-à-dire, on a du moins B, A. Okay? Donc, les nez, je ne parle pas. Le B, là je me parle à l'année, le A. Donc, moins B, A, c'est-à-dire moins B égale à 3, ou le A égale à 4. Donc, l'année, ça me donne B égale à moins 3. Donc, AC,
J'ai atteint 4x moins 3y plus la constante égale à 0. A appartient au passé. Donc, on va utiliser les coordonnées du point 1, qui est moins 2, 1. Donc, 4 fois moins 2, moins 3 fois 1, plus c égale à 0. C'est-à-dire, moins 8 moins 3, donc moins 11 plus c égale à 0, c égale à 11. Voilà. Donc, on va le point C, constante, là, je mets l'équation d'une autre droite. Donc, AC, 4x moins 3y plus 11 égale à 0. Voilà. Donc, on déduire la distance D entre le point B et la droite AC. Donc, la distance me pile point ou droite. Il faut que comme une B de coordonnées 4, 4. Donc, la distance entre B et AC, en la formule, donc distance, je sais même, donc, D, BAC égale valeur absolue, donc, l'année dit 4 fois 4, moins 3 fois 4 plus la constante 11 sur racine de 4 au carré plus 3 au carré égale. Donc l'énergie 4 moins 12 alors moins 8 plus 11 ça a une valeur absolue de 3, c'est-à-dire 3 sur racine de 16 plus 9 et l'IO a racine de 25, donc 5. Voilà. Donc, tout à fait, la distance est 3. Alors, c'est une table. Donc, l'année est 4. Alors, on dit 4 fois 4, pardon. Donc, ma hâtine 4 fois 4. Donc, 16. Moins 12, ça signifie 4. Plus 11, alors 15. Ok, donc 15 sur 5 égale à 3. Voilà, ça c'est la distance interne, mobile point et droite. B. Déterminer une équation cartésienne de delta prime qui porte la hauteur de B du triangle ABC. Donc, une équation d'une droite qui porte la hauteur du B du triangle ABC. Maintenant, le triangle interne. Alors, elle est le triangle ABC. Donc, delta prime qui porte la hauteur du B. Donc, l'aîné. C'est l'équation de delta prime. Donc, un dit point B, mon jeu défi. Bien sûr, la hauteur puisqu'on perpendiculaire à AC. Donc, delta prime, elle est perpendiculaire à AC. Donc, c'est-à-dire le vecteur AC, c'est un vecteur normal à delta prime. Or, on a les coordonnées de AC, il y en a 3, 4. Donc, on a dit A ou B, les coefficients d'une autre droite. Alors, delta prime de coordonnées 3x plus 4y plus c égale à 0. Bien sûr, porté par B, donc le point B de coordonnées 4, 4 appartient à delta prime, c'est-à-dire 3 fois 4 plus 4 fois 4 plus c égale à 0. La constante c égale à moins 12 moins 16. Donc, l'année, moins 28. Voilà. Donc, delta prime d'équation 3x plus 4y moins 28 égale 0. Ok. Qui t'a fait que je t'interprète les formules. Là où le rythme est l'année, ben, le rythme est plus c'est. Donc, l'année delta prime. Trouvez alors les coordonnées de l'orthocentre H du triangle ABC. Alors, l'orthocentre H, l'orthocentre, c'est l'intersection des autres. Donc, bien sûr, le H, je trouve mon joug à delta prime. Donc, le H, mon joug à delta prime, ou le H, mon joug à delta. Il faut que comme une delta. Je n'en vois delta. A ta houli, l'équation de la droite delta passant par C perpendiculaire à AB. Non, j'en ai mis le triangle interne. Donc, c'est à dame C ou perpendiculaire à AB. Donc, l'aîné, c'est kif-kif, hauteur. Alors, l'H est l'intersection de delta prime et delta. Voilà, intersection entre delta prime et delta. Maintenant, t'en t'aimé delta prime ou t'en t'aimé delta. On a l'équation de delta prime ou on a l'équation de delta. L'aîné, je trouve l'intersection, bien et te mesure. Donc, juste là, j'en ai l'équation de delta. Alors, delta,
l'équation 6x plus 3y moins 21 égale 0. Ou delta prime, il est à l'arnaque de suite 3x plus 4y moins 28. L'intersection, c'est-à-dire 6x plus 3y moins 28. Donc, l'année, on va résoudre le système interne. C'est un système à résoudre. Alors, l'année, j'ai dit, par exemple, 3x, donc, d'après l'équation 2, je vais 3x égale 28 moins 4y. On dit, donc, l'année, on a 2 fois 3x, c'est-à-dire 2 fois, alors, 28 moins 4y plus 3y moins 21 égale à 0. Donc, l'année, bien sûr, nous avons le développement interne où on trouve donc, on dit 55 moins 8y plus 3y moins 21 égale à 0. C'est-à-dire 55 moins 21, il y a 35. L'année, moins 5y égale à 0. Donc, 5y égale à 35, y égale à 7. Y égale à 7, alors, on a 3x égale à 28 moins 4y, c'est-à-dire x égale à 28 moins 4y sur 3, donc est égal à 28 moins 4 fois 7 sur 3, ok? Donc, 4 fois 7, il y a 28, 28 moins 28, donc 0. Alors, H de coordonnées 0, 7, ça c'est les coordonnées de notre point, il y a donc l'orthocentre. Mais, qui veut que nous commençons le devoir? Mais elle a l'année, je suis gênée un petit comme Haja Zayda pour le devoir. Ahna, je fais les coordonnées dans les points col. Je dis, il faut tomber le repère, on dit, on est dans le cadre matériel. Bien sûr, quand on tombe à l'écran, on doit s'arrêter le temps. Donc, il y a juste vérification. Ou elle a raison, il ne joue pas le bras avec vous pour le devoir, ok? راو احنا لهنا في سبورة انا نحاولوا ديما نعطوكم لي زاستوس اللي يجيو نحاولوا ديما نعطوكم الحاجات اللي تعملوا بيه فيريفيكاسيون باش تكون خدمتكم صحيحه اوكي دونك راهو الهدف انه المعلومه توصل وانه تفهموا راهو المات ماهوش حفيظه المات فهمان المات تعرفوا تعملوا انتربريتاسيون تاع لي فورمول نتاعكم اوكي انا راني نحب ديما التلميذ معناتها يبدا يعرف لي زاستوس وراهو مش باللازم حتى لهنا مثلا فيها عيب انك ما تعرفش تحسب حاجات مونتال معناتها ميساج تاخذ الكالكولاتريس وتخدمها كي تشوف فيه انا زاد نخدم بالكالكولاتريس في الديريكت هنا معناتها نخدم معاكم حتى حاجات سامبل ساعات لهنا باغ اكزومبل تاو لي كوردوني دو بوان اش اللي هي 28 موان 4 فوا 7 عملت فيريفيكاسيون بالكالكولاتريس 28 موان 4 fois 7, on trouve 0. C'est vrai, 4 fois 7 égale à 28, 28 moins 28, 0, ou rada. Mais on a fait condition de devoir. Condition de devoir, ils ont couché et d'assir. Alors, il faut les coordonnées par les points internes, juste les nœuds, je compte comme les points. Donc, je compte les points par le triangle. Le haut mal A, donc moins 2, 1. Alors, moins 2, 1. Ça, c'est le point 1. Le point B, 4, 4. Alors, 1, 2, 3 et 4. Où l'on est en A4. 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est le point B. Le point C, 1, 5. Ça, c'est le point C. Donc, B et C. B. Ahna, l'on est juste pour s'adapter comme fait le point H. L'orthocentre. Les coordonnées. Wakao. J'ai normal la hauteur issue du point du C. Je vais par exemple la hauteur là, bon, je vais essayer de faire ici. Juste pour faire la hauteur et sur l'année de A. Mais alors, l'intersection, c'est le point bien sûr H. Je vais la hauteur par exemple et sur de B. Voilà.
Donc, à peu près, il y a le poids. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, 0. Donc, normalement, je trouve l'année le poids. OK? L'année, pardon. Donc, la hauteur. Voilà. Donc, la hauteur est sur de C et la hauteur est sur de B. Voilà. Donc, et la hauteur est sur de A sur. Voilà. Donc, la hauteur est sur de A sur A. Donc, voilà. Allez. Voilà, donc le point dernier, normalement ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, en principe c'est radical, mais voilà, dis ma femme les erreurs, ok? Ok, un coup, le devoir interne, tout bien sûr, 40 comme et est-ce que ça comme 40 tasse ou